Hey yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Crusader Kings 3 dans lequel nous jouons l'Empire français. Enfin nous jouons l'Empereur Thiob, le père de la lignée de France. 122 ans. Il reste le dernier épisode avec lui. L'avenir nous le dira. Au charmant Empereur Thiob de France, salutations aux chères connaissances. Voudriez vous faire une partie de tablier passionnante. Je m'en fous de toi. Je sais même pas qui tu es. Tu es un vassal. Tu es un pauvre vassal d'un petit comté tout pourri. Voilà. Je m'en fiche de toi. Tu es hostile, j'en ai rien à foutre. Élection en Grande-Bretagne. C'est toujours pas fini ce truc là. Putain. Ça va finir un moment ou... Enfin, quand même c'est chiant quand même. Bon, ça finira pas, je sais pas pourquoi, c'est pas grave. Des paiements, on s'en fout, des artefacts, on s'en fout, des vassaux, on s'en fout, on s'en fout. On est comment là au niveau de la culture? C'est pas encore ça, mais c'est mieux. Allez, c'est reparti! Oh, joli, j'aime beaucoup la harpe. Sur le... catholique française, ok. Bon, forcément, là, ils vont pas être contents, les habitants, je suppose. Et... Irlandaise, opinion populaire, moins 2, parce que acceptation culturelle, ils sont pas... voilà. Ils sont pas très contents. Là, par là, on est quoi? Culture occitane. Occitane. Là, ça monte haut, l'Occitane. Hein. Française, Montaigu, ouais, parce que j'ai forcé. Ouais, tu me diras, peut-être que eux, ils sont occitans. Même pas, ils sont catholiques. Attends... Ils sont occitans, ils sont catholiques, oui d'accord, ils sont français. Un local pardonné. Ils sont dissoutes. Pourquoi ils sont vraiment occitans hein? Après on s'accepte, donc y a pas de problème, mais. Demandez de l'or, votre chef de foi, oui, il faut faire des réserves. Bérangère. Bérangère, une tonnassière qui exploite une partie de mes terres en Bayeux, a réalisé une récolte exceptionnelle cette saison grâce à une planification minutieuse. Ah oui, la tendance, elle est forte. Hein. Oui, viens dans ma cour, toi, on sait jamais, tu peux avoir un bon avenir. Qu'est-ce que tu veux? Oui, chère connaissance, j'en ai rien à foutre. Arrêtez de m'inviter à tout et à rien là, j'en ai rien à foutre de vos parties de dames là. Le tablier, voilà. Opinion populaire, c'est bon, ça augmente. Allez, on est bientôt dans le positif. Le problème étant que français, occitan, on est très vite dans l'Occitanie. Zéro. Ok. Non vraiment ils veulent pas passer français. On a plein de bonnes techno en plus. Qu'est-ce qu'elle a fait? Fornicateur. Oui. Merde moi aussi je suis fornicateur. Bon j'ai un petit problème c'est que... Elle m'a pas donné de... Reviens là toi. Viens faire un gosse toi. Mon petit-fils. Oui c'est bien. Je voudrais un gosse là encore. Vas-y on va de... Ouais mais j'ai déjà une âme sœur en vrai. J'aurais pas un dernier héritier, c'est dommage. C'est bien dommage tout ça. Oh, reine de Polarabie. Attends, mais je suis sûr on a un lien de parenté, non? Attendez. Les chitiques. Putain, ça change tout le temps, en plus leur langue, c'est terrible. Vas-y, je vais la séduire. Si je peux avoir un petit descendant, là, par pur hasard, dans un des petits royaumes à côté.
Alors, toi, non, toi, je crois que t'as fait une grosse connerie. Hein. Qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi je t'ai emprisonné, toi, alors? Un criminel connu. C'est un tyran, ah oui. Dans la cuisine en solitaire. Alors gourmand, non. Paresseux, pas ouf, compatissant. Je préfère qu'il soit compatissant. Ah c'est con ça! Ah bah... Qui c'est qui est morte? Morite. Ah mais c'est mon amante! Ah bah super dit. Donc en plus de pas me faire de gosse. Je me demande comment un cœur peut supporter une telle souffrance. C'est impossible. Pourtant, je suis là, le cœur battant. Tandis que le vôtre, c'était un haut Adela, mon rayon de soleil. La vie ne sera plus la même sans vous. Oh merde! Ah, j'ai perdu ma femme et mon amante en une semaine. Oh, c'est compliqué. Oh, c'est compliqué ça. Pas de stress, par contre, le mec, pas de stress, il y a point S. Non, c'est pas ça. Oh la vache, jure. Alors, je vais essayer d'arranger un mariage. La vache. Voilà. Ouf. Aïe. C'est moche ça. Hein. Ah, je perds mon amante et ma femme. Lui veuf à 122 ans, c'est moche. Heureusement, je me remarie très très vite, hein, 18 ans, avec une femme qui a 104 ans de moins que moi. Je vais... non, je vais annuler ça. Et je vais plus faire... courtiser pour devenir des âmes sœurs. Chanter une balade amoureuse. Oh, je vais être vieux, hein. Qu'est-ce qu'elle est? Fornicateur. Cynique, généreux, humble. Vas-y, je suis mon intuition. Par contre... ouais, on reconnaîtra pas son gosse, hein, par contre. Elle risque d'en avoir fait de ci, de là et... oh la vache! Ah oui, mais attends. Ah oui, ça c'est... oui. J'ai perdu mon maître carvanier, il y a tout le monde qui me quitte hein, là en même temps. Non, c'est... oh, j'ai perdu mon grand aumônier aussi, hop là. Putain. Ah mais c'était le même, ok, c'est bon ça. Hop, allez hop. Merci, c'est le même, c'est ça. Bonjour, salutations... Promesse d'exemption d'obligation. Comment ça? Putain, mais quel con! C'est qui lui? C'est mon héritier! Oh, mais c'est vraiment une. Idiot. Bah, quoi. Oh. J'en ai rien à foutre. T'écoutes pas mon fils, putain. Bon, la tyrannie. La tyrannie, ça se voit où ce truc? Parce que bon, d'un moment quand même, je vais en choper petit à petit et c'est pas cool. Il dit là, la bête sauvage. Défi en martialité? Non, on va éviter. Hein. Mais c'est ça, cadeau spécial. Ça va. Bon, et c'est où mon... je veux voir... à quel point je suis tyrannique ou pas, moi, j'en sais rien.
Ah, les enceintes, j'arrive cependant à la vie de manière étrange, elle doit me dire. Je vais examiner cela discrètement. Et puis en intrigue, ça passera. Ouais, j'arrive pas à voir où est-ce que... Donc mes craintes n'étaient pas fondées. En même temps, t'es fornicatrice, déconne pas. Comprends-moi. Je comprends que j'ai un petit doute quand même des fois. Attends, c'est-à-dire que j'attends encore un gosse? Oh la vache. Ah, j'attends encore. Non, non. Je vais encore être père. Encore un gosse. Oula. C'était pas prévu ça. Voyons voir. Je voulais voir ça dans la succession. J'ai un héritier, c'est Julien. Ah, ça a coupé en deux. C'est ça, je m'en fous. J'en ai foutu. Il y aura un héritier dans tous les cas, donc... Oula. Oh, mais si elle ne peut pas avoir tort, oh l'enfoiré. Alors défi en prouesse, on va éviter, hein. C'est compliqué. Hein. Voilà. Taille du pays 505, oh la vache. Indicateur, allez, ça baisse partout, comme d'hab. Ah, lui, il a moins de terre déjà, c'est bien. Ok, la Bourgogne, ouais. Non. Pourquoi j'ai deux France? Ouais, je vais le détruire, là. Voilà. Voilà. On a déjà un duché, titre. On va essayer de faire en sorte de ne plus avoir de soucis de succession. Ça n'existe plus, ça. Bon, après, toute cette partie-là, je vais pas y toucher. Au moins, je suis censé perdre un peu moins de territoire, non? Si au moins ça fonctionnait... Ah vache, il l'aime pas, hein. Ah, je sais pas ce qu'ils ont contre elle, mais ouais, il l'aime pas. Hein. Bon. Et si... J'allais me faire un petit pèlerinage, ça fait longtemps. Faire un pèlerinage... Faire un pèlerinage... Je suis mondain. On va à la Cologne cette fois, c'est pas très très loin. Passer par là. Ce qui serait bien, c'est de, ouais, c'est de passer vraiment un peu partout dans notre territoire.
Enfin, dans nos territoires, dans ceux qui ne sont pas nos territoires non plus. Au moins faire un bon petit tour, histoire qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas trop de problèmes. C'est vrai qu'on n'a pas Venise, tiens. Je sais pas combien de temps je resterai en vie, il faut que j'en profite. Non, vieux Rome, on s'en fout, on a déjà fait Rome. Ouais, c'est bon. Ah. Mais les tours sont trop grands. Je crois qu'il a pas aimé la blague par là-bas. Et ni là-bas. Oh. Wesh, non mais c'est bon. J'ai même pas droit à un petit détour, 90 jours. Non mais 54 jours max. Oh. Non, ils sont chiants. Lyon, Lombardie. Je peux même pas aller en Lombardie, je peux aller que ici, c'est dégueulasse. Et là, si je dis ça, non, ils veulent pas. Ouais, bon, bah. Nul. C'est nul! Bah oui, réflexion. C'est nul, c'est d'un nul. Allez, devenons mondains. C'est un message de Dieu. Suivons-le, il va toujours être mené, mais c'est pas grave. Oh, présage de fécondité. Vas-y, j'aurai bientôt un enfant. 123 ans, ça va. Oh merde. Oh là là, dégueulasse. Oui, c'est ça. Ça c'est bien par contre. La volonté du dieu. Je suis retardé 10 jours, dommage. Nice. Bonus moyen de santé. Ah, je vais rester le plus longtemps en vie, mes amis. Hein. Je peux vous dire que je vais tout faire pour tenir. Bon. Mon fils. Oh yes. Merde, je sais plus. J'avais vu un autre gosse, mais je sais plus comment je l'ai nommé, moi. Il s'en est eu trop. C'est qui le dernier? Raymond? Je l'ai pas choisi, Raymond. Ah non. Il n'y a pas eu un Robin ou un truc comme ça à un moment? Je sais plus. Oh là là. Vas-y, je vais l'appeler Vincent. J'avais pas déjà eu un fils Vincent ou un petit-fils Vincent. Ah, si tu... Allez hop. Si vous devez les reprendre ça, je m'en fils. Si vous prenez du feu, mon petit. Elle a 14 ans. C'est un gars ou une fille? Je sais même pas. C'est les rats. Ouais, d'accord. Allez, je t'emmène. Bon, je vais créer l'Empire de France bis, apparemment, si Santana. Mais vraiment, je peux pas. Interrompre le bis, il y aura qu'un truc. C'est moche. Enfin, je vais pas créer un deuxième Empire de France au bout d'un moment, quoi. Merde, enfin c'est... C'est parce que c'est mon titre principal et qu'il prenait pas en compte ça pendant un moment, un truc comme ça, j'en sais rien. Je vais voir, je vais laisser ça comme ça et je vais voir.
Crois dans ma vérité. Ah, c'est bien, mon gamin, c'est bien. Les catholiques, il va être roi de l'Empire byzantin en plus. Empereur de l'Empire byzantin. Allons voir. Tu vas vous montrer comment essayer de se battre. Oui. Eh, hey, je suis arrivé ou pas là, à la Cologne, hein, parce que bon... Ah ouais, non, c'est vrai que j'étais parti là-bas. Ah, je peux débloquer un nouvel atout en attendant. C'est mon domaine. Extorquer le sujet. Bah non, on va éviter. Enfin, regarde. Alors que je peux dire... c'est quoi le truc, extorquer le sujet? On sait rien. Hors de question, je vais éviter. J'ai suivi le chemin sacré de Cologne. Je suis un pèlerin. C'est mon... combien? 3? 3e ou 4e, je sais plus... pèlerinage? Bon, tu me diras, on s'en 23 ans. Et toujours plus mondain. Ouais, c'est vrai qu'il y a le petit royaume du Danemark là. Faudrait... Ah tiens, c'est le même drapeau. Parmi on de serre a été détruit, je m'en fous. J'ai bientôt mon complot qui est réussi. Mais la célérité est à 75 ans et il est pas d'as hein, quand même. Non. Ah, Prince Tiob. Prince Tiob obtient le très moine. Ouais, ça me va. Vas-y, deviens moine si tu veux, je m'en fous. Ah merde, c'était un conseiller. Chimie. Toi... 16 ans. C'est pas mon arrière-arrière-petit-fille ou un truc comme ça, ça? Même pas? Même pas. Eh ben pour le coup. Plutôt mignonne pour quelqu'un qui n'est pas de ma famille. Jumeau. Oh. Ouais, ah ouais, ouais, plutôt pas mal. Donc elle est reine de... Italie. Ça c'est pareil, c'est un titre qu'il faudrait que je récupère un jour quand même. Allez, vas-y, toi. Teinte d'ivoire, Non. Alors, attends. Il est où? Royaume d'Italie. Les descendants. Ah, zéro descendant. Ah, c'est un courtisan, ah, c'est moche. J'ai pas le choix de toute façon. Oh, j'ai 32 000 d'or. Ah merde. Petite Bulgarie, ouais, j'ai pas le choix. Hein. Non, je vais tout continuer d'ici. Hein. J'ai pas trop le choix que de les aider. Oh merde, je suis loin. Oh, j'ai oublié ça. Ouais, on arrive. Ouais. T'inquiète, t'inquiète. Ouais, ce fut un honneur. Par contre, oh, c'est terrible ça. J'ai cliqué, mais ça a pas pris en compte. Allez, coucou. Coucou, hibou. Hein.
Je clique là, je veux aller là. Merci. Oh là là. Alors que je change de point de ralliement moi. Ah, laissez-moi. Oh, viens à la cour toi, t'as pas mal de. T'as des bonnes stats. Ah, son empereur est mort là, je crois que c'est celui-là. Hein. Yes. Alors par contre, on va changer, c'est moi qui vais régenter. Je peux pas. Non, je m'en fous. Ça, je m'en fous. Et ça, je m'en fous. Je voulais voir si je pouvais régenter l'Empire byzantin. Parce que je peux pas être régent parce que je suis déjà dirigeant d'un autre royaume. Ouais, ce serait un peu fort. C'est mon adresse chez soi. Est-ce que je peux organiser une chasse ou un truc comme ça? Un bon festin. On va voir lesquels seraient efficaces. Faire méchant, faire méchant, faire méchant. Oh. Moi, je peux pas là-bas, dommage. Non, 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 bah non. Partie de chasse, je suppose que ce sera pareil. Hein. Oh! On est une assemblée de sorcières. Sans se penser des membres de votre maison pratique, la sorcellerie. Ça fait quoi? Ah, plus d'intrigue, plus d'érudition, moins en diplomatie. Bah c'est tout. Oh. Bon ça c'est bien. Bon ça c'est bien, attends. Ouais ouais, attends, attends. À ma maison, je vais essayer d'en convertir plus d'un là. Toi non, c'est mon vassal. Venez. Tenter de courtiser, bien sûr que je tente de la courtiser. Il est. J'ai réussi, ça devient mon âme sœur, et je vais peut-être avoir un autre gosse avec elle. Après tout, j'ai beaucoup de. Comment ça s'appelle ? De fécondité. Bon, il faut que je. Que je convertisse mes gamins à la sorcellerie, moi. L'artefact. Ah bon. Non. Autre. Convertir à la sorcellerie. Ah merde. Ah mais attends, j'avais un bon intendant qui est arrivé là. Non? Ah mais la duchesse d'Aquitaine elle est bien. Ouais, ouais mais là il faut que j'ai cela aussi, sinon ils vont pas être contents, gna gna gna. Allez, viens là toi. Bon rien. On va créer la grande principauté de Hongrie. Ah ouais. Non, usurpé. Je peux pas, il est en guerre.
Oh non, je suis fatigué de vos parties d'échecs là. Là, je voulais. Alors, laisse. À la garde! On n'est plus amant. Eh bah, tu sais quoi? Dégage. M'en fous, j'ai un gosse. Bon, on va se marier à quelqu'un d'autre. Ah bah voilà, la reine d'Italie. Parfait. Regardez-moi ça, en plus elle a 16 ans. Hé, hey, qui demande mieux? Franchement. 108 ans d'écart, c'est rien. L'amour n'a pas d'âge. Ah, yeah. Poste vacant. Ah oui, ça c'est tant mieux. Toi. Toi t'es très bien. Toi t'es très bon, mon ami. Oh la vache. Vieillis en douceur. Obtiens le. Oh la vache. Gros bon. Oula. Vieillir en douceur. Allez. Yes, je vieillis en douceur. C'est vraiment en douceur pour le coup. Hein. Je sais pas quel âge je vais avoir, mais. C'est fou quand même. Hein. Parce que là, j'ai eu quoi? Ben, fait... Ah zut, je l'ai pas. La liste elle est trop longue, je crois. Non, mais c'est bien, je vais vieillir en douceur et. Avoir des bons atouts de santé. Il n'y a pas un truc par là? Veillez en douceur. Ah, voilà. Bon, par contre, je suis infirme. Pénalité grave de santé. Ah, c'est dire à quel point j'ai tellement de bonus. Hein. Oh la vache. Bien joué. Ah oui, c'est ma petite fille qui est régente. On a réussi à... C'est la maison de Sortes, mais... Ah, c'est le tout premier de sa dynastie? Ah, c'est le seul? Attends, quoi? Hein? Ah si, courtisan. Courtisan. Hmm. Ah ouais. Et d'ailleurs mes troupes elles sont où? C'est toujours pas arrivé hein, je sais pas du tout où elles sont par contre. J'ai totalement perdu mes troupes. Ah elles sont là. C'est bon, elles vont arriver. Attends quand même, je vais... Je vais la séduire. Et ensuite je la courtiserai. Faut pas déconner. Voilà, on va essayer de vite de les sauver du siège là. Rodinina est adulte. Ok. Je peux la marier. À qui? Oh ouais, non, ça je m'en fous. Duché. Principauté, machin. Nordique. Oh. J'utrise. Ah. Grec. Grec.
Ouais, ce sera pas mal avec lui. Matrilinéaire, ils veulent pas. Revendication solide. C'est une bonne... C'est une bonne possibilité. Va avec lui. Accusation de sorcellerie. Qui ça? Mettez en scène une exécution élaborée pour elle. Ouais. Mystique. Homme sage. C'est pas un homme. Quoique, c'est une sorcière, donc on sait jamais. Mais j'ai un doute. Comme un doute. On a formé une alliance. Le principal, c'est qu'on soit... qu'on ait des revendications sur cette terre. Eh, t'as quel âge, toi? 56 ans, hein, propre. Ok. Alors on peut pas... Fornicateur, on dit que c'est pas bien grave. Hop, là il n'y a plus qu'à aller là. Là il n'y a plus qu'à aller ici. On va les aider hein, quand même. Oula! La peau labie, elle s'est fait. La peau labie, je veux dire, elle s'est faite bouffer. Bouffer de chez bouffer. Eh ben, dis donc, mon âme sœur. C'est pas terrible ce que tu nous proposes, hein. Alors, on va demander une revendication, il va pas nous la donner. C'est pas possible non plus. Ça, je m'en fiche. Travers petite fille. Votre petite fille. Oui, tu me diras. Voilà des apparences. Jumelle. Ah oui, c'est vrai. Oh. Montrer aussi charmant que possible. On va changer. Enhardi. Carrément. Allez. Faisons un petit siège. Oui, c'est ça que je voulais voir. Où est-ce que je peux voir ma tyrannie, moi. Je sais pas. Moi, je me souviens de regarder ça avant le prochain épisode. Ça m'énerve ça, enfin... Quoi ça, enfin... Duc Nicolas...
Il est élevé le pauvre. Et c'est passé pour cette fois, par contre partition obligatoire, utilise un hameçon. Hop là. Fusil robé, on a l'habitude. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est... Oh non, c'est le roi Simon, ça c'est bon, ça c'est bon. J'ai pas regardé les impositions en vrai. C'est bon. Hop, demander de l'or. Oh, on peut vassaliser un comte d'Anis. On va lui proposer, même si c'est pas très... Ah mais c'est lui. Tiens non. Ah, il m'a insulté il y a pas longtemps. Non, il voulait faire un jeu il y a pas longtemps. C'est ça. Excellent. Oh mais attends, oh, mais attends, mais... Ça existait pas ça il y a pas longtemps. Ah ouais, Thessalonique, etc. Oh là. Oh là. Bah l'Empire Byzantin, il a cassé là. Hein. Faire le duché de Bosnie. Ouais, l'Empire byzantin il a très cassé là. Ah ma gamine, qu'est-ce que t'as foutu? Enfin. Putain, c'est mes gosses quoi, mais quelle bande de nuls! Trop de duchés possédés. Comment ça, haute Bosnie? Oh merde, j'ai pas donné de bon duché. Oh, j'ai pas donné de bon duché. Je lui ai donné quoi lui? Ah merde, je lui ai donné le territoire là-bas, con de moi! Bah déjà, exil la reconversion, voilà. Oh, celui, tu peux pas donner le bon territoire. Bon, c'est pareil, il va se démerder avec ce qu'il a là-bas. Et haute Bosnie. Pourquoi il voudrait pas être un despote? C'est quoi un despote? C'est un empereur quoi, c'est une sorte de roi. Une sorte de roi local quoi. C'est un duc, toi, proposer la vassalité. Pieuse de pieux. Oui, tu es érudit donc tu es pieuse, je suppose. Lui il veut pas, pour quelle raison? Acceptation culturelle, foi différente. Oh merde, comment ça foi différente? Ah mais c'est pour ça qu'ils ont dû casser. Parce que là du coup c'est catholique. Ah oui, oui. Ok, ok, ok. Bon, ça marche pas comme je veux, moi, supprimer la loi. Ça marche pas comme je veux, tout ça. C'est dommage, mais bon, j'ai pas trop le choix. J'ai une partie qui va au prince Vincent. Je peux pas le déshériter lui. Héritier aucun. Ah oui. Oh, c'est que des femmes ou un gars, c'est... Bon, un gamin plutôt, oh la vache. Ouais.
de France, Italie, Royaume de France, Royaume de Grande-Bretagne. Putain, du coup, je serais plus empereur de... Ah, c'est ça, putain. C'est ça, empereur de France, si je crée le titre. Et je vais le recréer, je vais l'accorder à... alors déjà, dynastie de Hunyo. On va le garder. Uni par le mariage et maintenant par le cœur. Est-ce que je peux la courtiser? Oui, t'es bien. Qu'à coup dur pour le pour l'empire byzantin. Tu me diras, moi en empire il grandit plus des masses là. Il est régenté, le pape est régenté. C'est fou. Comment ça? Couverture à sorcellerie. Hein. Alors, tac. Lui. C'est de le couverture. Ah non, ça me met pas ça. Ben voilà, elle est enceinte. Très bien. Intendant. Oui, c'est sincère. Ça va être toi. À tout disponible. Appelons en or. Tenez le trait avare. C'est bien ça. Oups. Ah. Je peux pas. Lui, ça fait je sais pas combien de temps qu'il pourrit dans mes loges. Bourgogne. Ouais, ils sont orthodoxes, c'est pour ça. Oh, je peux vassaliser un duc. Duc de Thrace. Attends, mais c'est pas à côté en plus la Thrace, c'est par là. Vraiment, je peux vassaliser le duc de Thrace comme ça, là? Ah ouais, non mais il y a plus... Ah ouais, non mais il y a plus du tout... de... d'Empire byzantin. Ah ouais. Ah ouais... C'était pas prévu, ça, hein. On va faire ça déjà. Et je vais voir si je peux pas faire une petite alliance avec lui. Non, ça on garde pas. Oh la vache.
C'est moche que ce qu'ils m'ont fait là. Bon, est-ce que après j'ai des. Est-ce que après ça m'a fait gagner au moins des revendications? Genre là-dessus, je sais pas moi. Non, même pas. J'ai même pas gagné une revendication. Ah, c'est moche. J'ai mes revendications, mais c'est tout, quoi. Peut-être pas l'herbe. Ah, il m'a vraiment rien donné en plus en revendication, le salaud, quoi. Sérieux? Ah bah voilà, Empire Byzantin. Mais laisse-moi t'aider à former l'Empire Byzantin. Mon petit-fils, arrête-moi. Non, vraiment, laissez. Pourquoi je peux pas. Pourquoi je peux pas l'aider à reformer l'Empire Byzantin, quoi? C'est. Il est trop petit, il a pas encore l'âge pour les revendications, c'est ça? Il faut encore attendre 4 ans? T'as une quête. Reste bien en vie, mon ami. Que je connais les langues locales au moins de partout dans mes terres, ça pourrait être pas mal. Hein? On dirait. Quoique. Oh, une culture. Autre culture, une seigneurie. Oh. Attends, j'ai découvert vraiment seigneurie là? Putain, je suis en resté en vie tellement longtemps que j'ai. Déverrouille les bâtiments économiques de l'ère au Moyen-Âge. Alors, il va y avoir du travail là, les gars. Oula. Déjà, faut choisir le reste. Chercheur de gloire. Bourg fortifié, rempart. Dans la maison. Bah oui. Le contact est normal, excellent, la unité de développement existant maximum à 35 de développement. Pas mal ça. Hein. Pas mal. Alors, on a des travaux à faire les gars. Même pas? Le genre on a rien à faire. Il est là-bas. Non mais non mais. J'ai débloqué des bâtiments mais que je dois pas avoir du tout. Non. Bourg fortifié. Ah oh, c'est terrible. Oh, est-ce que je ferais pas plutôt bourg fortifié? Ouais, allez, c'est quoi, putain. Allez, on va s'arrêter ici pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. Nous sommes toujours en vie, du haut de nos 126 ans. Et on compte bien y rester encore un bon paquet de temps. Voilà, je vous dis à très bientôt. C'était Thiob.